Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre présence. Certains stades de football de Moëlie sont clôturés pour lutter contre les animaux en divagation et les violences dans les stades. Une initiative prise par la Fédération de football comorienne. Plusieurs établissements scolaires organisent de carnaval en cette période de fin d'année ici à Moëlie. Une manière de permettre aux élèves de se divertir et se souhaiter bonnes vacances. Bienvenue à tous. Les chauffeurs de taxi de la région de Mledjélé ont adopté une nouvelle stratégie afin de s'entraider à faire face à cette crise financière. Une rotation entre eux s'effectue depuis la hausse des produits pétroliers. Suivons ce reportage de Sorante Bouramadi et les images de Tian Mohamed Elamé. Depuis la hausse du prix des produits pétroliers dans le pays, les frais du taxi ont également augmenté dans l'ensemble du pays, en particulier ici à Moëlie. Un phénomène qui paralyse les activités quotidiennes de plusieurs secteurs, notamment le transport terrestre. En effet, les conducteurs de bus, surtout ceux de la région de Mledjélé, connaissent certaines difficultés liées au manque des passagers depuis la mise en vigueur de ces nouveaux tarifs. Raison pour laquelle ils ont jugé utile de faire des rotations afin de limiter les pertes vu la distance et la hausse de carburant. Un système qui permet à chaque conducteur de non seulement mieux s'organiser, mais aussi éviter les accidents liés à la fatigue. Malgré la rotation de ces taximans, toutefois, leurs activités ne marchent pas comme il se doit. La situation économique qui se vit dans le pays n'affecte pas seulement les taximans, mais toutes les couches sociales. La situation d'handicap demeure un frein pour bon nombre de personnes, surtout dans notre pays où sa politique est en phase embryonnaire. Cependant, certaines personnes arrivent à s'imposer à la vie quotidienne en s'acceptant telles qu'elles sont pour faire face aux obstacles de cet environnement. C'est le cas d'Ismaël Saïd qui vient de sortir un livre intitulé « Parcours de vie handicap, expérience et enseignement ». Suivons cet entretien exclusif avec notre correspondant Moni Bamir. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'inviter à nos plateaux M. Ismaël Saïd pour nous parler de son livre qui est récemment sorti, intitulé « Parcours de vie, handicap, expérience et enseignement ». Merci M. Ismaël Saïd pour avoir répondu à notre invitation. Merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous aimerions à ce que vous saluiez nos téléspectateurs et téléspectatrices. Bonjour l'ORTC, bonjour messieurs les journalistes, mais bonjour aussi à tous les spectateurs et spectatrices qui nous suivent actuellement et ceux qui vont nous suivre aussi prochainement. Leur dire que voilà, ce parcours de vie en soi, c'est ma vie personnelle qui est mise en scène, mais qui retrace toute la vie des catégories de personnes parmi les citoyens de nos sociétés, aux Comores et dans les pays aussi étrangers. Pour une première question, pourquoi le choix d'écrire ce récit qui reflète la vie de nombreuses personnes en situation d'handicap? J'ai opté d'écrire ce livre après une longue réflexion, surtout après avoir constaté, faire un diagnostic au niveau du pays, voir comment est-ce que la personne en situation, voir la place de la personne en situation de handicap dans le pays. Ça m'a permis de prendre un petit recul et me dire que voilà, je dois faire quelque chose. Surtout que j'ai un vécu expérientiel sur le domaine du handicap, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Maintenant, est-ce que nous aimerions savoir si vous avez déjà vécu un événement négatif ou on peut dire traumatisant lié à votre handicap, par exemple un refus d'un travail, un projet, etc. Moi, ce genre de cas sont nombreux. On les rencontre partout, moi et mes coéquipiers, bien sûr. Si j'ai à vous rappeler, il y a un cas, donc je l'ai subi en classe de CE1, lorsqu'un enseignant m'a expulsé à l'école, puisque pour lui, l'école n'est pas compatible à ma représentation identitaire. Du coup, ça m'a choqué, bien sûr, même si aujourd'hui, il est devenu mon meilleur ami. On n'a pas... Je n'ai pas à lui... à l'en vouloir. Et ça, on a vécu, comme tout le monde l'a vécu aussi.
Parce que j'ai rencontré un ami qui m'a dit qu'il a été un jour expulsé aussi à l'école. J'ai vu une troisième personne qui m'a dit que nous aussi, on voit une personne en situation de handicap venir à l'école. On se demande, mais pourquoi elle est venue ici? Qu'est-ce qu'il veut ici? Donc, dans leur perception, la personne handicapée n'est pas faite pour l'école ou bien n'est pas faite pour participer dans la dynamique de la vie sociale, mais elle est plutôt malade. Et ça, c'est une erreur monumentale, le fait de considérer l'autre comme malade alors qu'il n'a pas de guérison, parce que la maladie, normalement, a des guérisons. Et s'il n'y a pas de guérison, ce n'est pas une maladie, mais c'est plutôt appelé handicap selon la sociologie du handicap. Donc, ce genre de cas, on les rencontre. Moi, je les rencontre. Il y a beaucoup de gens qui les rencontrent dans ce pays et qui le vivent, qui les subissent. Du coup, effectivement, oui. La situation physique que vous décrivez dans ce livre et les difficultés, selon vous, y a-t-il un changement aujourd'hui? Bon, ce que j'ai décrit dans le livre, c'est vraiment notre environnement qui est inadapté aux conditions ou bien aux attentes des personnes en situation de handicap, notamment l'environnement scolaire, l'environnement professionnel, l'environnement familial, etc. Et tout, partout les environnements, il y a énormément de soucis qu'il faudrait quand même revoir tout ça et essayer quand même de faciliter l'accès de notre catégorie dans la dynamique de la vie sociale, comme des acteurs plutôt que rester comme des simples spectateurs dans la société. Bon, pas comorienne uniquement, parce que j'ai parlé des sociétés au niveau d'autres pays dont la problématique du handicap est aussi en phase embryonnaire. Du coup, j'ai émis pas mal de conseils et des idées qui vont permettre de changer de mentalité, de regard ainsi que de pratique dans leur société respective. Vivre avec un handicap est difficile. Comment faites-vous pour surmonter les différentes étapes de la vie, sachant que la politique de handicap est en phase embryonnaire? Bon, moi personnellement, si vous lisez le livre, vous allez voir que j'ai infirmé la question du handicap, le concept, le mot handicap. C'est-à-dire, je l'ai pris dans un sens, je l'ai refusé dans ma personnalité, comme je ne traitais pas le handicap comme étant un point noir. Mais c'était pour moi une sorte d'un atout, ou bien une sorte d'un signe qui était à l'origine de toutes mes réussites, plutôt qu'être un stigmate. Par lequel j'essaierais l'uriser de la société, etc. Donc j'avais dépassé ces choses-là. Il y avait un dépassement personnel de la question du handicap. D'ailleurs, je l'ai bien aussi mentionné dans le livre, que j'ai jamais regardé mes pieds pour me positionner dans les affaires de la vie. Mais je combats comme tout le monde combat. J'essaie de combattre aussi. J'essaie de m'intégrer, de me positionner comme un acteur et pas plutôt une personne déficiente ou bien démunie ou bien qui a des particularités, etc. Du coup, c'est la façon de pouvoir affronter justement notre société qui est incompatible à nos conditions physiques, visuelles, mentales, etc. Parce qu'il n'y a pas d'adaptation, il n'y a pas d'aménagement déjà existant et qui prennent en charge de toutes ces choses-là. Du coup, il nous faut quand même la persévérance et l'optimisme, et aussi le dépassement de certains a priori et stéréotypes, etc. Et dans votre livre, quelle catégorie de lecteurs avez-vous choisi de vous adresser? Je me suis adressé à l'ensemble de l'humanité dans le monde entier, en leur disant que voilà, le handicap en soi n'est pas le souci, mais le souci demeure justement au niveau de la société. Parce que tout se perçoit dans notre mentalité et puis on le met en pratique après dans la réalité. Et si on considère la personne du handicap, la personne en situation du handicap comme étant un malade, donc là, tu vas rien réfléchir en sa faveur ou bien à son bénéfice. Si tu considères que c'est une personne comme les autres, malgré sa différence identitaire, vous allez aussi penser ou réfléchir autrement pour essayer aussi d'adapter l'environnement
par rapport à ses besoins et ses spécificités. C'est comme ça qu'on va, j'imagine, les choses, que pour justement faire face à ces choses-là, il faut quand même un changement de mentalité et de comportement. Et pour finir, quels sont les enseignements et conseils que vous tirez de ce livre? Les enseignements à tirer dans ce livre et les conseils que j'ai constructifs que j'ai donnés, c'est sont nombreux. Mais c'est juste dire à l'ensemble de l'humanité que si vous voyez une personne en situation de handicap, il ne faut pas directement essayer de les traiter comme étant incapables. Il faut se donner le temps de regarder la personne ou bien se donner aussi le moyen de comprendre la personne. Parce qu'il se peut que son handicap en soi reste un atout pour sa réussite. Et que toi, tu considères que peut-être avec le handicap, c'est un vœu d'échec. On ne peut rien faire. Si on met des efforts à table, c'est un gâchis. Ça ne va rien donner et voilà. Donc, ça, c'est une leçon que j'aimerais bien donner à l'ensemble des lecteurs ou de nos sociétés et que j'ai essayé aussi de le mettre en exergue à travers les passages de ce livre. Merci, Monsieur Ismaël, pour avoir répondu à nos questions. Merci aussi à vous. C'est ici que s'achève cet entretien que nous avait accordé Monsieur Ismaël. Très bonne suite de programme à la chaîne nationale. Merci et au revoir. Autre volet de cette édition, après avoir participé au tournoi interscolaire à Moroni, les joueuses de l'école privée Malim Djini Energy School sont arrivées ce mardi ici à Moïli. À leur descente de l'avion, elles sont accueillies chaleureusement par leur famille et responsables de leurs écoles. Mounibou Amir et Bakar Kassim étaient sur place. Après le championnat interscolaire au niveau national, les élèves de l'école privée Malim Djini Energy School sont venus deuxième au tournoi catégorie féminin après avoir affronté les élèves de l'école privée Briad de Moroni. C'est dans des tirs au but que l'école Ninga School de Moya a battu les joueuses de l'école Metz à un score de 1 but. Cependant, ces dernières ont gardé la deuxième position dans ce tournoi interscolaire. Dans cet accueil chaleureux qui leur a été réservé en guise d'encouragement, le responsable de l'école privée Metz encourage vivement ce genre d'initiative afin d'améliorer les activités sportives dans les établissements scolaires. Nous sommes très satisfaits d'abord du parcours fait par nos élèves de Malim Djini Energy School parce qu'elles ont pu battre les équipes féminines de Moheli jusqu'à aller à la Grande Comore dans la phase nationale du championnat scolaire. Nous sommes très satisfaits et nous pensons que ce sport doit être encouragé parce que ça fait déjà 2 ans que nous avons introduit le football au niveau des équipes privées, des écoles privées à Djouaïzi et nous allons renforcer cette compétence pour que nos étudiantes soient des vrais athlètes. Quant aux joueuses, elles ne font que se réjouir de l'exploit qu'elles ont fait et espèrent faire plus dans les années à venir. On a adoré ça et on a été très bien reçus et je voudrais que d'autres personnes essayent de remporter cette compétition à leur tour. Je voudrais qu'un jour eux aussi veulent participer à ces compétitions car c'est une très bonne chose de rencontrer des autres écoles pour jouer et réussir à s'entendre. À savoir que dans ce tournoi catégorie masculin, ce sont les garçons de l'école privée ICRA qui sont venus vainqueurs de ce tournoi interscolaire au niveau national. Un championnat organisé par la CAF et les différents établissements scolaires des îles Comores afin de défendre les couleurs des îles Comores. Comme chaque fin d'année, les écoles de la place, surtout privées, organisent des carnavals où toutes les générations prennent part. Un moment fort pour les élèves et une occasion de se dire au revoir pour les mois de vacances. Soranti Bouramadi et Bakar Kassim.
Comme il est de tradition, la fin d'année est marquée par des festivités. Ce lundi, les élèves de l'école Malaisie ont fait leur carnaval de fin d'année. Entourés de leurs professeurs, camarades de classe et les anciens élèves, ces derniers ont présenté diverses tenues dont la plupart reflètent un rêve. Pendant que certains se sont déguisés en militaire, d'autres valorisent la tenue traditionnelle comorienne. On peut voir parmi ces enfants des futurs infirmiers et toutes sortes de déguisements préparés pour l'occasion. Ils ont défilé dans la rue depuis leur école jusqu'à la place de l'Indépendance de Fomboni, où une ambiance de joie peut se lire sur les visages de chacun. Ben, je me sens vraiment épanouie. Je suis contente en vrai. Je suis vraiment charmée. Et chaque année, à la fin des examens du 13e trimestre, on organise cette fête. Pour mieux s'amuser, monsieur le directeur organise ça pour toutes les promotions en fait. Il devrait s'y mettre parce que c'est un cas particulier, mais c'est aussi une chose et une occasion pour tous les élèves pour mieux s'organiser et être heureux. Après, les élèves se sentent bien. Hein. La remarque faite, seules les écoles privées prennent l'initiative d'organiser ces genres de festivités au profit de leurs élèves. Pourtant, c'est une façon de divertir et permettre aux élèves de se dire au revoir dans l'ambiance accompagnée de leurs proches. Et pour finir cette édition, pour éviter les violences dans les stades de football entre les joueurs et supporters, la Fédération nationale a pris l'initiative de clôturer certains terrains de la place. Il s'agit en effet du terrain de Bangoma, celui de Djouaizi et Salamani. Halda Hamidi et Tchène Mamedelani. Pour renforcer la sécurité des joueurs pendant et après les compétitions sportives, certains terrains de football sont clôturés. Effectivement, les violences physiques sont souvent constatées durant les matchs, soit entre les deux équipes, voire même les supporters et joueurs à l'intérieur de stades. Pas seulement les violences, mais les animaux en divagation constituent une réelle difficulté. Clôturer ce terrain va certainement limiter les problèmes rencontrés pendant les matchs et répondre au plus ou moins aux normes d'un stade. Certes, sécuriser les terrains de foot, notamment celui de Mwangoma, Salamani et Djouaizi, est un grand pas pour les amateurs de football ici à Moheli, mais renforcer les sensibilisations contre les violences dans les stades s'avère nécessaire pour la sécurité de tous. Doter les joueurs et les stades de tous les équipements nécessaires reste une priorité pour la Fédération nationale de football dans le but de favoriser et donner la place que mérite le sport dans le pays. Et voilà qui met en terme cette édition. Merci de votre attention. Très belle soirée à vous sur la chaîne nationale Or TC. Au revoir et à très bientôt.